ស្នេហ៍ចង់ឲ្យរស់នៅថៃយល់ចិត្តអាណិនយកពីជំរឿស្នេហ៍សូមអូននឹងគ្រួសារយល់ថាស្នេហ៍គ្មានវណ្ណៈធ្វើឲ្យបងជឿជាក់ថាវាស្នាប់ជាប់និស័យនឹងអូនបើស្នេហ៍ទៀមលើកពពករស់នៅលើវេហាក្តីសង្ឃឹមចិនផងប្រាថ្នានឹងខ្លាចជាសូបានរូបអូន Le skateboard, c'est venu vraiment complètement par hasard. C'est-à-dire, un jour, je suis venu avec ma planche à roulettes à l'école, à PSE, là, dans l'ONG, et tous les enfants m'ont sauté dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On veut faire du skateboard, on veut faire du skateboard. À ce moment-là, le directeur de l'école passait, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un atelier skateboard? Je dis, bah ouais, d'accord, allez, on y va. Skatistan, oui, ça, depuis 2007, c'est une ONG qui a été créée à Kaboul par Olivier, notre directeur, en fait, qui a commencé pareil, juste avec une planche à roulettes dans la rue. Il a commencé par entraîner des enfants dans la rue à faire du skate. Et de là, l'histoire a monté, il a trouvé des fonds, il a pu construire un skatepark. Donc après 4 ans d'expérience là-bas, ils avaient eu le temps de bien roder l'histoire, ils savaient comment s'y prendre. Et du coup, ça a été plus facile pour lancer la première franchise au Cambodge, parce qu'on est la deuxième école maintenant de skate chez Skatistan. Quoi. Donc le but de Skatistan, c'est de faire premièrement de la réinsertion sociale. En fait, ça s'adresse vraiment aux enfants qui sont en difficulté, des enfants qui ont des retards scolaires, des enfants qui ne supportent pas très bien physiquement, des enfants qui ont pu subir des choses dans leur vie, donc des enfants qui n'ont pas toutes les cartes en main pour assurer leur avenir. La grande particularité du skate au Cambodge, et comme à Kaboul, c'est que ça n'existait pas avant. Après, l'autre raison, c'est aussi que le skateboard, c'est un sport très, très accessible. C'est-à-dire qu'on peut en faire n'importe où. Il faut une planche, 4 roulettes. Et avec une planche, 4 roulettes, on peut partager avec les enfants et on peut avoir 4 enfants en même temps. Et ils s'échangent juste la planche. Et donc, on peut avoir plein de monde juste avec une planche. Et le terrain, c'est la rue. Plein d'enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ne veulent pas ou parce que les parents ne veulent pas, ou des choses comme ça. Donc pour ces enfants-là, dans le meilleur des cas, on les ramène à l'école. C'est-à-dire que comme ils viennent suivre les cours ici, on arrive à les sensibiliser, on leur donne des règles un peu, une structure, ils doivent écouter les professeurs, ils doivent mettre des casques, etc. Et petit à petit, ils commencent à aimer le skateboard, ils se font à l'histoire des règles. Une fois qu'ils en sont à ce stade-là, on peut les amener vers d'autres écoles. Après, pour les filles, par exemple, qui ont eu des problèmes et choses comme ça, là, dans le meilleur des cas, c'est juste qu'elles reprennent confiance en elles, quoi. Que oui, mais c'est ça, c'est un rap, nyom. Puis moi, je peux dire que nyom, mon toit man les skates, que mes rampes payent clac. Je peux avoir moi d'amener au bassin, d'amener hein, pour pire. T'as une peu dire que nyom, je peux ramener les skates.គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានហ៊ានពុះពៀរជំនះឧបសគ្គ